Allez, j'ai cru qu'il... qu'il t'avait... Allez! Allez, fouille la pièce, vite! Oh, Seigneur! J'aurais jamais cru... On va foutre tous ces connards derrière les barreaux. Toute la famille. Putain de fanatique. On va sortir de ce merdier, petit. Pour commencer, il nous faut des armes. Tiens. Écoute-moi. Voilà ce qu'on va faire. Il y a une route dehors. On va la prendre. Et on va monter vers le nord-est. Dans quelques heures, on devrait avoir atteint Missoula. Ensuite... faut qu'on revienne ici, avec toute la garde nationale. Et on se débarrassera de ce qui reste... Ok. Chut. Ok, salut à tous, donc sans faire exprès j'avais mis mon micro donc vous m'entendiez pas. Donc vous avez vu la cinématique, donc en fait on s'est crashé dans un... On s'est crashé avec un avion et on a atterri chez le méchant. Donc le jeu s'appelle Far Cry 5, j'espère que ce gameplay vous plaira, je vous ferai quelques épisodes. Donc voilà. Donc on va reprendre. Sans faire exprès, je croyais que je vous parlais, mais j'avais mis mon micro, bon désolé. Donc voilà, donc on reprend. Donc vous avez vu un peu la cinématique et tout. Donc voilà, on y va. Let's go. Ok. Putain, il prend pas ses balles. C'est qui c'est... Vas-y. Non. Utiliser le medikit parce que là... Mais il est où mon collègue, au fait? Collègue! Où tu me rushes, toi? De toute façon, ça va péter. Ah mais... il est là, lui. Ok, j'arrive. Ok, j'arrive. Vas-y, démarre. T'inquiète même pas. Poussez-vous! Fuck! Wow! Ils sont derrière en plus! Faut que je bute le conducteur. Wow, ça fait mal. Wow. Comment on fait? T'inquiète pas. Wow, vas-y, rentre. Faut que je prends la dynamite. Vas-y, je la prends, faut que je la prends. Vas-y. Mais elle est où la dynamite? Elle est là. Ouf. On va pas s'en tirer. Wow. Oh mais c'est trop chaud.
Non, vas-y. C'est dégueulasse. Oui. Et moi, sors-moi de là, le Marshall, là. Oh my god, et moi je vais mourir, ils m'ont même pas pris. Je dis mes dages, là. Ok. Où je suis maintenant? Je suis sur la terre. Et voilà, et voilà. Non, le Marshall. Oh oh. Non, monsieur. Monsieur. Qu'est-ce qu'il a fait? Oh, c'était qui le mec là? Ce qui m'a pris? Ouais, je suis où moi là? Je suis à l'envers. Bon, le Marshall, à ce que je comprends, il s'est fait emporter par les autres et moi je me suis fait emporter par un mec, mais maintenant je suis attaché. Monsieur? Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que les routes ont été barrées. Toutes les lignes téléphoniques coupées. Plus aucun signal ne peut rentrer ou sortir de cette vallée. Mais ça veut surtout dire qu'on est dans la merde. Ah. L'heure est fin d'homme. Ils sont persuadés de maintenant c'est la fin du monde. Et ils attendent que ça. Depuis longtemps, ils attendent l'arrivée d'une espèce de messie qui réaliserait leur prophétie. Et viendrait lancer dans putain de guerre sainte. Et c'est ce que t'as fait, officier. Franchement, si j'étais malin, je me contenterais de t'aider. Je sais pas s'il est avec nous ou c'est un. Oh. Ah, ça va. Il est avec nous. Maintenant, enlève-moi cet uniforme en valbouille. Et puis là, t'as des événements. T'as plus qu'à te changer. Bien après, tu viens voir. On va voir ce qu'on peut faire pour essayer de régler ce dernier. Ok, ça va, pas de soucis. Allez. Bon, apparemment, c'est un allié à nous. Il faut se changer. Bon, d'abord, on va voir où on est parce que. Qu'est-ce que c'est? Non, on va pas interagir. Monsieur? Ouais, je sais où il nous a amené, lui. Je me suis pas changé, monsieur, je me casse. Ok, donc on va se changer.
Donc on va choisir notre choix de personnage. Je sais pas, lui. Qui, je sais pas, comme ça. Alors la coiffure, il est dégain celui-là. Alors la coiffure, je sais pas du tout. Comme ça, ça fait un peu stylé, mais voilà, comme ça là, ça fait stylé là. Oui, mes choix sont définitifs. Haut du corps. Donc, alors haut du corps. Oh maître, allez. Débardeur américain, il est malade lui. Bas du corps. Qu'est-ce qu'il fera sortir avec le haut? Il y a que dalle. Lui là, lui il fait un peu la casquette, Et les gants rouges. C'est bon là. Confirmé. Ok, c'est bon la tenue. On va parler à Dutch maintenant. À Dutch. Non. Je me suis pas vraiment présenté. La plupart des gens m'appellent Dutch. J'essaie de comprendre ce qui se passe là-haut. Et c'est pas beau à voir. D'après ce que je comprends, tes collègues sont en vie. Pour l'instant. Mais on les a séparés. Chaque membre de la famille de Joseph en a un sous sa garde. Le problème, c'est que personne n'a rien. T'inquiète pas. Ah, pardon. Tu m'écoutes cette fois? Donc, je vais la retrouver. Prends l'arme dans mon coffre. On doit prendre le contrôle de l'île si on veut récupérer les collègues. Oui. Fais bien gaffe à toi, ça coûte de sacré. Ces connards sont prêts à mourir pour le psychopathe qui leur fait. Inventaire. Et là, c'est le sud. Quitter le bunker. Alors la sortie. Tu me suis? Ah ouais, je vais aller tout seul. Ok. Bon ben je quitte. Ah, une pelle. Ça je. Ah. Ok. Alors. Oh. Non, non, voit quelque chose. Alors donc. Non, pas les jumelles. Non, 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 quitte-moi ça. Ah. Pour le monter, on a le poignet, la pelle, ok, des cocktails molotov, des grenades. On va prendre le flingue. Bon, ben c'est parti. Wesh, le mec il est caché. Ok. Si tu les libères, la résistance pourra s'en servir pour contrer les efforts de ces tarés. Ok. Bon, mais je crois qu'on a tout compris. Donc on doit, alors, l'île libérer l'île de Dutch. Je regarde si je vois quelque chose d'utile. Pour le moment, va vers le sud et élimine tous les connards de la secte que tu vois. Et viens en aide aux habitants en besoin. D'accord. Alors, le sud, il est là-bas. Déjà, je vois un point bleu. Vite, non. Comment on fait? Non. Coucou. Merci, Thomas. Grosse mitraille. Yeah.
Ces cinglés de fanatiques sont roues libres. Si vous voulez de quoi vous protéger, je crois qu'il y a une cage de survivalistes près du hangar. Il y aura sûrement des trucs sympas. Ok, monsieur, merci. Ok, merci, monsieur. À la prochaine. Ok, là, de moment, il y a un bâtiment. De moment qu'on peut détruire. Mais comment? Déjà, on va prendre une arme. Non, mais. On va prendre une arme. Je vais prendre une pelle dans les mains. On peut descendre. Détruisez les hôtels pour recevoir des points de résistance. Ouais, mais comment on fait pour le détruire? Dis-moi bien. Ouais. Donc, moment, si je vais là, alors lire. Alors, j'ai tenté d'aller à la planque souterraine, mais un gros tuyau a explosé, a tout inondé. Je ne sais pas ce qu'on peut sauver. On a besoin de jus pour faire fonctionner la pompe. Et traîner de l'eau. Je sais que l'interrupteur est dans le hangar à bateau, mais la porte est verrouillée et tu ne m'as pas laissé les clés. Je te laisse donc. Ok, Garrett. Ok, un mec. Trésor. Hey, oui. Ok, ça a l'air profond. Je vais prendre mon flingue. On y va. Que dalle ici. Oh putain, il est en train de s'étouffer mon truc. Ok, je vais prendre le tuyau pour casser. Non, on peut pas casser. Ok, déjà il y a de l'argent dans le jeu. Vas-y, déjà ressort. Ok, donc alors qu'est-ce qu'on doit faire? Là il y a un point hangar à bateau. Voilà, c'est ça, le hangar à bateau. On doit trouver une clé. Je crois que c'est ça, je sais plus. Ok, de moment il doit y avoir des mecs. Ouais, vas-y, il tombe dans l'eau. Ok, c'est en fait le truc, c'est il faut piller, parce que si on pille pas, j'aurai rien quoi. Bon, montrer, je sais pas où aller. Allez là. Il y a quoi? Ah, la clé, il la faut. Ouais, mais attends, je vais juste voir dans les alentours. Là, si on prend par exemple le tuyau, qui ça fait rien. Attendez, vous savez qu'est-ce qu'on va faire? On va relire le message, parce que ça m'a l'air un peu chelou tout ça. Par contre, il faut faire attention de pas tomber. Alors, on a besoin de jus pour faire fonctionner la pompe de. Ok, donc je crois que c'est là-dedans. Mais comment on peut faire? Ouais, là il y a un truc derrière. Ouais, il y a sûrement un moyen. Bon, vous savez quoi, on va aller au hangar à bateau, on va voir si on trouve pas d'autres choses. Parce que ici, je pense qu'il y a des trucs à faire, mais pour le moment, il n'y a rien à.
trouver. Donc on va chercher on va chercher une clé de moment à l'intérieur de la zone de recherche. Attends, ici on peut être la porte. Ah, il faut la clé. Ah mais on peut rentrer par derrière. Je crois que j'ai trouvé la solution. J'ai vu qu'on pouvait rentrer par là. Oh yes! On n'a pas besoin de la clé. Mais c'est nickel ça. Interagir. De moment là. Je sais pas ce qui s'est passé. De moment l'eau. Alors on va prendre. Ah les clés du hangar de bateau. Ah un quoi? C'est quoi? Ah ça oui. Ça ça peut faire mal. Bon, on va sortir. Ouvre-moi la porte là. Ouvre-moi la porte. Voilà. Donc, on a trouvé la porte du hangar à bateau. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va rejoindre ici. Il y a un mec en haut. Bon, c'est pas grave. Donc moi, il n'y a plus d'eau. Non? Si. Attends, où ils me disent d'aller? Ah là il y a une tuyau. Ah voilà, là il n'y a plus d'eau maintenant. Voilà, allez hop, pousse-moi tout ça là. Tac, c'est nickel. Oui j'ai de l'argent. Ah mince. Mais ils font tout. Explorer. Oh, un arc, ça. Non, passe-moi mon arc. Ça c'est très bien par contre. Bon, est-ce qu'il y a des autres? Je pense qu'il n'y a plus rien. Par contre, j'ai vu un mec en haut. Là, vous voyez, il y a un mec en haut. On va aller en haut. Il m'a dit en direction du sud. Le sud, c'est le sud, il est là-bas. Et il y a une mission à faire là-bas. Par contre, je vais juste monter parce que j'ai vu un mec. C'est un allié. Pour grimper, il y avait écrit grimper. Bon, où on pourrait aller? Bon, on va faire un truc. On va partir vers le sud à 140 mètres. Aucun y va. On va partir vers là-bas. Déjà, on a trouvé un arc. Donc, un arc, ça va pouvoir suffire. Par contre, on a un flingue, un arc. On a, je sais pas comment ça s'appelle là. Pour faire du bateau là, je sais plus comment ça s'appelle. Oh non, un avant-poste. Oh poste. Oh putain. On va devoir. Je sais pas si c'est des méchants. Ouais, c'est des méchants. On va. On peut pas rentrer. Ok, bon ben je l'ai libéré. Non, j'aurais dû sauver les gens. Ah, il y a un petit
petit truc qui court là. On a sauvé un poste. Qu'est-ce qui courait là? Mes trucs qui couraient. Otage libéré. Ah, c'était des otages, par contre. Ah, rejoignez la quai de pêche. La quai de pêche, elle est où? Il est là-bas, on y va, let's go. Comme ça, on a un ami qui nous aide. Donc là, c'est le commencement. On doit rejoindre la quai de pêche. Donc la quai de pêche, c'est tout là-bas. Donc il y a des gens, ils l'ont pris en otage. Il me dit d'aller au sud après. Faut pas qu'il tue. Ok, maintenant on va le libérer. Oui. Ouh, beau plongeon. Non, mon arc. Dites-moi en commentaire si vous... Bon, par contre, tu vas venir avec moi. Embauché. J'ai confiance en toi, officier. T'inquiète pas, t'es avec moi maintenant. Ok. Ok, pas de soucis. On y va, let's go. On doit rejoindre le poste de recherche. Il est avec moi. Tais-toi. Alors, appuyez sur... pour ordonner à votre maître de rejoindre la zone. Appuyez sur pour ordonner... Descendre. Ok, tire. Ouah, comme ils sont. Wouah! Wouah, c'est quoi leurs armes? Faut que je fasse attention. Il utilise un medikit. Sur mon mercenaire, il se débrouille bien. Okay. Grenade, attention! Yeah! Ok, c'est nickel. Bon, donc nous, on a libéré tout ça. Ok, donc là, il y en a une. Ok. D'où il est blessé, je l'avais pas moi. Ok, donc on va rejoindre la tour radio. Donc en fait le mec, mon collègue, je savais pas qu'il était par terre, je l'avais pas vu. Donc j'entends crier, donc par contre c'est très loin. Ça,
Bon, là, il y a un truc à détruire, on va pas y aller. Non, pas de soucis. On va dans l'eau, c'est parti. Donc, j'espère qu'il n'y a pas des piranhas ou quoi. Ok, donc on va y aller. On a traversé tout le lac, donc il n'y avait pas grand chose. Ok, donc on y va. Ok, c'est juste à côté là. Faut faire attention parce qu'il y a des mecs. Activez l'antenne de la tour radio. Oui, c'est quoi ça? Oh my goodness. Pour le moment, arc. Ok, il n'y a rien à rechercher. Ok. Il faut juste monter. Ok, on monte. J'espère qu'il n'y aura personne en haut. Voilà, tac, ça c'est fait. Oui, parce que là c'est très haut. C'est très très haut là. C'est quand même très très haut. Oh ah bah. Punaise. Faut l'activer. Wouhou. Ah, en plus il y a un truc pour descendre, ça c'est nickel. Ah, elle est libérée, l'île le Dutch. Ah, la carte. Donc lui, tout ça, c'est toute sa zone. Ah, en fait, ça, c'est une famille, pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est une famille. Donc là, je pense que, je sais pas si c'est... Ça, ça doit être le père. Donc le père, il a toute cette zone en blanc. Donc toute cette zone-là. Et c'est stylé quand on est de près. On voit tout ce qu'il y a. Toute cette zone-là. Donc... Après, là, on a la région de Jacob, le frère, ou je sais pas, qu'est-ce que qui c'est. Donc, il a tout ça comme région. Il a la montagne. En fait, il a la montagne, quoi. Ouh, il y a un burger, là. Donc, là, c'est la fille. Donc, elle a tout ce territoire. Et voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, donc là on va quitter l'île pour aller, je sais pas, dans ou chez la fille, ou chez Jacob, ou chez le père. Bon.
c'est nickel. Donc ce petit gameplay, j'espère qu'il vous plaira sur Far Cry 5, parce que moi ce jeu là franchement il est bien, parce qu'il y a de l'aventure et tout. Donc là on est dans le chargement, ça va durer une heure. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo une fois qu'on a spawn, parce que ça suffira. Donc j'espère que vous avez compris un petit peu le principe. Voilà. Ok, on va juste regarder la cinématique, je vous laisse sur cette cinématique. Là c'est John, c'est le père. Moi. Même notre cher père en fait l'expérience. C'est un poison qui pollue l'esprit. Mais si je vous disais qu'une délivrance est possible, si je vous disais que tous vos rêves, même les plus fous, sont possibles, si je vous disais que toutes les épreuves peuvent être surmontées, si vous adhérez à une idée. Cette libération du péché peut venir grâce au pouvoir d'un mot. Oh non, c'est la fille. Oui. Je suis un pécheur. Oui. J'aspire à la rédemption. Oui. Je veux être purifié. Si vous me regardez, vous avez été choisi pour la purification. Confessez vos péchés et vous aurez le droit de les expier. Vous n'aurez rien à faire du tout. Viens-moi. Bienvenue à Eden's Gate. Ok, donc là. Ok, donc. Pour ceux qui n'ont pas compris, par contre, pour voir la carte, j'aimerais bien savoir. Bon, j'ai indiqué trois endroits sur ta carte pour commencer. La Syrie au nord, la prison de Hope County à l'est et la ville de Folsen à l'ouest. Tu fais comme tu veux, mais à ta place, j'irai d'abord à Folsen. Ok, Folsen. Donc Folsen, je sais pas qu'est-ce que c'est. Alors, folle. Par contre, la carte, je sais pas comment on fait pour l'ouvrir. Donc, folle zone. Ça, c'est à 7 mètres, c'est quoi ça? Bon. Folle zone. Donc, là-bas, il y a un bateau. Au nord, là, il y a un quad. Là, il y a un quad et un bateau. On va aller au quad, je pense. On va aller au quad. Ah, mais il est juste là. Mais c'est super, ça. Voilà. Tranquillou. Ok, donc là, il y a le frein à main. Alors, conduire, reculer. Bon, tu vas pas vite, là. Ok, donc on doit aller à Folsen et c'est là-bas. C'est à 110 mètres. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à le petit pouce bleu et surtout à vous abonner. Encore merci pour les 22 000 abonnés. On les a déjà passés depuis longtemps. Mais merci, j'avais complètement oublié. Ça augmente de fou. Merci, merci. Et moi je vous laisse sur cette fin. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.